conférencier avec nous, du nom de Père Pierre-Olivier Tremblay, qui est un oblat de Marie Immaculée. Il a été ordonné en 1999. Le Père Tremblay est un natif du coin, mais il a travaillé surtout dans la région du Québec. Il travaille à la mission auprès des jeunes depuis plusieurs années. Il a terminé un doctorat en 2010, dont le titre est « L'émergence d'une communauté chrétienne missionnaire, l'expérience du tisonnier de Québec ». Il se passionne des enjeux de la mission, ici, au Canada, et de l'avenir de l'Église. Le Père Tremblay est un homme à découvrir, un homme qui aime Dieu et qui veut passer sa passion aux jeunes. Alors, son ministère se fait à la paroisse Sacré-Cœur, qui est directement sur le campus de l'Université d'Ottawa. Son enseignement aujourd'hui est intitulé « J'envoie mon messager en avant de moi ». J'envoie mon messager en avant de moi, mettons ensemble nos mains pour accueillir le Père Pierre-Olivier Tremblay. Ça me fait plaisir de me retrouver ici avec vous. Effectivement, merci Jacques de la présentation. Après plusieurs années à Québec, ben je reviens à mes racines, à mes origines, dans cette belle région ici. Est-ce que vous vous souvenez du feeling, du sentiment qu'on a quand on sait qu'on va recevoir une lettre par la poste? Je dis, est-ce que vous vous en souvenez? Parce qu'il me semble que ça arrive moins souvent de nos jours. Quand on reçoit une belle lettre écrite à la main, imaginez, ça existe encore, semble-t-il. Moi, je me souviens, ça date déjà, là, c'était en 1988. Je venais juste de quitter la maison de mes parents, j'ai grandi à Hull, et j'arrivais à Québec. Puis un de mes bons amis, Daniel, on avait commencé une correspondance. Puis on s'écrivait des lettres, mais des lettres épaisses. Alors là, quand arrivait le moment à Québec où on allait voir si on avait du courrier, j'avais une de ces lettres de mon ami Daniel. Quelle joie! Et là, il avait pris du temps. J'étais comme touché de l'amitié, le temps qu'il prenait et le fait qu'il me l'avait posté. Alors à mon tour, je lisais ça, puis là j'écrivais. En tout cas, récemment, je l'ai revu. Puis il m'a rappelé ça, il dit, tu sais, j'ai encore ces lettres-là. C'était il y a 23 ans. J'ai encore ces lettres-là et c'est encore un trésor pour moi. Je trouve ça intéressant de dire recevoir une lettre, même attendre pour une lettre, quand on sait qu'elle va arriver. Il y a un groupe de musique assez populaire à l'heure actuelle, Arcade Fire, il y a une chanson, ça s'appelle « We Used to Wait ». Il parle de cette époque-là où on avait du courrier. On attendait, on était prêt à attendre. Puis ce groupe-là dit, des fois, une si petite chose, une lettre, pouvait changer notre vie. Et effectivement, il montre comment le monde a extrêmement changé depuis. Le monde a changé. Un monde beaucoup plus rapide, urgent, instantané. Ça fonctionne entre autres avec les courriels, hein? On envoie un petit courriel. Je sais pas, moi, quand je reçois un courriel, je n'ai pas le même sentiment que quand je recevais une lettre. Et là, on écrit, on envoie, toutes les choses vont extrêmement rapidement. On est dans une société actuellement où, je pense, qu'on est moins habitué à attendre. Et je dirais que la qualité de notre époque, c'est peut-être pas la patience. Pourtant, les plus belles choses viennent quand on est patient. Les plus grandes choses arrivent et elles nous touchent quand on a su attendre. Je voudrais vous parler ce matin de ce phénomène, quand on a un messager, quand il y a un message, et comment ça se fait que Dieu a choisi de passer par des messagers pour nous toucher et de faire de nous des messagers. Ça veut dire que Dieu choisit d'avoir des médiateurs, des gens qui vont travailler avec lui pour sa mission. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à concilier avec notre époque de vitesse, mais certainement que c'est quelque chose d'important à redécouvrir. J'envoie mon messager en avant de moi. Matthieu 11,
10. J'envoie mon messager en avant de moi. Imaginez Jésus qui dit ça. J'envoie mon messager en avant de moi. Moi, je dois vous dire que ce genre de texte-là me touche toujours. Moi, je suis un missionnaire. Comme Jacques le disait tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est comment porter la bonne nouvelle de Jésus au monde d'aujourd'hui. Et chaque fois qu'on arrive sur des textes missionnaires, quand on arrive à des belles fêtes comme ce que nous venons de vivre, la fête de la Pentecôte, moi, ça me stimule, ça m'enthousiasme, ça me donne de l'énergie, ça me passionne. Mission, ça vient du latin, missio, ça veut justement dire ça, l'envoi. J'envoie mon messager. C'est comme la mission. Qui est le messager? Qui est le messager de Dieu? Jésus, hein? Ah, il y en a qui avaient la bonne réponse. Effectivement, le messager de Dieu, c'est Jésus. J'envoie mon messager en avant de moi, c'est Dieu qui envoie son Fils pour ouvrir le chemin à la bonne nouvelle ici, aujourd'hui. Le premier messager, le premier envoyé, et à vrai dire, le seul et le grand missionnaire, c'est Jésus lui-même. Et de temps en temps, il faut qu'on revienne à cette source-là. Il faut qu'on revienne à ça, parce que des fois, en tout cas, je vais parler pour moi, des fois, je m'en mets un petit peu beaucoup sur les épaules. Et j'ai besoin de me rappeler que l'œuvre de la mission, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Un autre qui est envoyé, c'est l'Esprit. Jésus envoie l'Esprit. Le Père et le Fils envoient l'Esprit. Le Concile Vatican II dit que la mission, c'est d'abord Dieu. C'est un Dieu missionnaire. En latin, de temps en temps, c'est le fun d'avoir un petit peu de latin, là. On disait « missio Dei », la mission de Dieu. On a un Dieu qui est envoyé, qui part. Moi, j'aime ça. D'autres sont des envoyés. Il y en a eu plein dans l'histoire, dans l'histoire sainte. Pensez aux prophètes. Ce sont des messagers. Peut-être que celui qui a le plus préparé le chemin, qui était envoyé en avant de Dieu, un personnage qui me revient, puis dont je vais vous parler un peu tout à l'heure, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un envoyé. Et je dirais que nous, ici aussi, on est appelé à être des envoyés. À travers moi, fais-toi présent. Si tu veux passer par mes mains, viens. Si tu veux passer par mes lèvres, par tout mon être, viens, fais-toi présent. Et je crois que c'est un Dieu qui se fait présent à travers moi, mais je lui donne la permission. Récemment, je me suis dit, il me semble que ma prière n'est pas tout à fait juste. Je vais rajouter une deuxième partie. Me voici, Jésus.